Bonne Sylvie. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne doit pas ça fallait. Alors aujourd'hui, les gars, vous savez, comme chaque mois de l'été, je dois venir avec une vidéo self-care. Genre, c'est... Je dois venir avec ça, ok? C'est genre, c'est devenu une tradition. Je kiffe la mode comme pas possible. D'ailleurs, voilà, je fais beaucoup de vidéos mode, etc. J'aime beaucoup aussi le développement personnel. Bon, après, on voit moins de ça dernièrement sur ma chaîne. Mais les gars, mon dada, c'est vraiment des produits de soins. Genre, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà... Tout ce qui est soin, c'est mon truc, c'est à moi. Et donc cette vidéo est en collaboration avec The Body Shop. Ça fait quand même un bon moment que je travaille avec eux. Et donc à chaque fois, je suis un peu curieuse de savoir ce qu'ils vont ramener après, tu vois. Donc là, cette fois-ci, les gars, ce sont des beurres. Non mais moi, j'ai besoin en fait de briller chaque année. J'ai besoin que mes omoplates... J'ai besoin que mes jambonneaux, mes cuissons brillent, luisent. Et franchement, s'il y a une chose à laquelle je fais attention, c'est que moi, je veux bien sûr briller, mais je veux aussi être hydratée. C'est très important pour moi, tu vois. Quand ma peau n'est pas hydratée et qu'elle brille uniquement, je sais que, oh, elle brille uniquement, elle n'est pas hydratée, tu vois. Je sais pas trop si vous vous souvenez, il y a quelques années, ils sont venus avec des beurres comme ça, mais il y en a un qui a fait fureur. C'est genre tout le monde l'avait dans son sac. Tout le monde en parlait, c'était le beurre de tout le monde, tout simplement. Je ne sais plus trop quelle senteur c'était, si c'était Shea Butter ou je ne sais plus trop, tu vois. Mais là, ils sont venus avec de nouveaux beurres, donc ça fait vraiment très très plaisir. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer ça, tu vois. J'ai pu tester pendant quand même deux semaines, deux, trois semaines, tous les jours, bien évidemment. Et franchement, les gars, j'approuve. L'éthique qu'il y a derrière, etc., ça m'intéresse quand même. Donc parfois, ils reversent un pourcentage à des associations, ils collaborent avec des associations et tout ça, donc ça fait très très plaisir. Pour un peu regarder sur leur site, vous allez voir toutes les actions qu'ils ont pu faire. Par exemple, là, vous avez le bouchon en aluminium, le bas qui est en plastique recyclé. Alors maintenant, quelques tips, vraiment un long droit au but. Gloria, on a besoin de conseils un peu self-care, tu vois. Moi, je trouve que c'est hyper important, le self-care. Des fois, c'est un peu genre, oh, tu vois, on a envie d'être un peu bougie, tu vois, on monte sur les réseaux, on a, tu vois, on met 36 000 parfums et machin et machin. Moi, personnellement, je trouve que c'est hyper important, même si vous mettez le minimum sur votre corps. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas soin de vous en tant que femme, personne ne va le faire à votre place et ça va énormément vous affecter, tu vois. Donc, c'est pour ça que je place vraiment le self-care à un niveau. Donc, bien évidemment, quand on parle de self-care, il y a tout ce qui est physique, hydratation, bien se laver, faire ci, faire ça, etc. Tu vois, les petits trucs un peu chic, un peu girly et tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui est mental et tout ça, n'oubliez pas, ok? Moi personnellement, les petits conseils que j'ai à vous donner pour pouvoir bien prendre soin de vous, etc., c'est vraiment de se placer devant un miroir. Les gars, vous pouvez, si vous arrivez à trouver certaines de mes vidéos où j'en parle, mais vraiment des vidéos qui datent de je ne sais quoi, c'est genre un truc qui n'a pas changé. Alors un autre petit conseil, c'est de se mettre dans le mood. Donc n'allez pas juste vous tartiner. Bon, après, quand on est pressé, mais quand... Vous avez ce moment pour vous, tu vois, faites la totale. Il ne faut pas écouter ceux qui vont me dire « Oh, mais pour qui tu te prends ? Oh, mais tu vois, peut-être ta soeur va rentrer. Oh, mais tu fais quoi ?» Sœur, tu fermes ta porte, un peu de musique, tu t'allumes une petite bougie, tu vois, tu parfumes un peu ta chambre, tu peux même faire des trucs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la menthe poivrée. C'est vraiment mon truc, l'eucalyptus, etc. Donc, j'aime beaucoup. Puis après, des fois aussi, il y a tout ce qui est citronné, etc., que j'aime bien, tu vois. Et donc ça, ça vous détend. Je vous promets que ça a énormément d'impact sur vous. C'est pas moi, de l'encens, ou peut-être même que t'as vu, tu vois, le truc comme ça, pour chasser les sorciers mauvais. Hé, ma copine peut acheter ça aussi, ok? Si tu sais que ça va influencer ta manière de, tu vois, de ça va purifier l'air,
Ben, utilise-le pour purifier l'air, tout simplement. Tu mets tes petites pantoufles, ton petit peignoir. Tu vois, c'est des petites choses, en fait, qui ne coûtent pas vraiment cher. Tu peux te faire un petit thé ou un petit smoothie. Ça vous permet de vous couper un petit moment. Je ne dis pas que ça va tout remplacer, ça va retirer vos problèmes ou quoi que ce soit. Mais ça va vous permettre, en fait, de vous dire, ok, je prends conscience de mon existence, tu vois. Je reste humaine. Les problèmes ne peuvent pas attendre, bien évidemment, mais je continue à prendre soin de moi. Donc à ce moment-là, quand on a set un peu de tone, tu vois, on a un peu, je ne sais pas comment dire en français, mais on a vraiment mis l'ambiance, c'est là que tu prends ton beurre et que tu te... Non, il y a des gens qui... En fait, ça me fait mal au cœur de voir certaines personnes se négliger parce que je me dis, mais quelle perte! C'est pas facile, hein, tu vois, surtout quand t'aimes pas ce que tu vois. Donc vous avez 200 ml à l'intérieur, ce qui est pas mal. Là, j'ai les senteurs mangue, avocat et lait d'amande. Personnellement, j'ai une petite préférence quand même pour le lait d'amande. Je sais pas, j'ai l'impression que... En fait, j'aime beaucoup sentir un peu neutre, légèrement parfumé, pas trop parfumé. Et puis vous avez quand même une bonne quantité, 192 grammes, donc c'est vraiment génial. Laver, etc., et que vous faites du petit soin là, vous prenez, oh my god, take your time. Quand vous faites ce genre de choses, prenez votre temps. Le beurre, en fait, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça vous permet, en fait, de bien regarder même les défauts que vous avez. Et j'ai remarqué au fil du temps, vraiment au fil des années, etc., que le fait de prendre le temps pour soi, de faire chaque mouvement et tout ça doucement, en fait, ça vous permet même au final d'apprécier les défauts que vous avez. Donc ça peut vraiment aider les personnes qui sont peut-être complexées par les vergetures ou peut-être complexées par, je sais pas moi, les poils incarnés, vous avez des petits points après l'épilation. Il y a des personnes qui sont complexées par ce genre de choses, tu vois. Au final, ça devient un peu comme une banalité et vous remarquez que, oh non, en fait, c'est moi, tu vois, et j'apprécie ça. Et peu importe ce que c'est, hein, peu importe la partie de votre corps, s'il vous plaît, laissez pendre ceux qui pensent, si vous voyez où je veux en venir. Laissez rouler ceux qui roulent. D'ailleurs, je fais un petit shout-out à Leslie Lawson et ma copine Ozwa Beauty, ok, qui, elle, s'assume complètement, voilà, elle s'assume leur poitrine, etc. Donc, s'il vous plaît, à ce moment-là, laissez pendre ceux qui pensent. On a tellement eu l'habitude de voir les choses remonter, redresser, etc. On ne prend plus ce temps de se dire, ok, en fait, c'est naturel ce que je vois, tu vois. Donc, appliquer votre beurre, c'est bien, oui, vous vous hydratez, etc. Mais ça change tout quand vous avez un autre état d'esprit. Tu lèves ta poitrine, tu vois que, oh non, elle retombe. Puis tu masses au niveau de tes fesses, tu vois, oui, il y a les vergetures, tu vois. Au niveau de tes jambes, oui, il y a les repousses. Ça peut être où même les épaules, voilà, tu vois, ça brille. Tu vois, peut-être même que tu as de l'acné, tu prends le temps de regarder. Tu vois, c'est des petites choses de tous les jours qui vont vraiment influencer votre manière de voir les choses, tu vois. De vous créer une autre normalité que de voir, par exemple, tous ces modèles qu'on voit sur Instagram et tout ça. On se dit, waouh, c'est tellement ci, c'est tellement ça. Alors que là, c'est vraiment vous face à vous-même, tu vois. Et c'est genre, je dois crémer ce que je vois, je dois hydrater ce que je vois. Donc voilà, c'est vraiment les petits conseils que j'ai pu donner, c'est pas toute une routine ou quoi que ce soit. Si vous voulez ça, bien sûr, ce sera peut-être dans une autre vidéo ou quelque chose comme ça. Là, vraiment, on a mis en lumière les petits beurres ici. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos pour vous si vous voulez les beurres. Après, une petite info de plus, les gars, ce sont des beurres corps, ok? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont me demander ou quoi. Ce ne sont pas vraiment des beurres que vous pouvez appliquer sur vos cheveux ou je ne sais quoi. Ce sont des beurres pour corps. Allez bien évidemment liker sur Instagram, soutenir quand même un peu et tout ça. Comme ça, peut-être qu'on aura encore l'occasion de tester d'autres produits de Body Shop, tu vois. Et voilà, à la prochaine les gars. Bisous, bisous, ciao, ciao.